Bonjour, je m'appelle Dace Taylor et je vous invite aujourd'hui sur l'une de mes rivières favorites, la Thème, pour y pêcher l'un de mes poissons préférés, le barbeau. Cette espèce, le barbeau, s'est d'abord répandue dans une rivière voisine, la Severn, pour gagner ensuite celle-ci. Vers le milieu des années 50, il a été massivement introduit dans la Severn et lentement mais sûrement, il a gagné les cours d'eau alentour. Pourtant, par la suite, il a commencé à disparaître peu à peu, jusqu'au milieu des années 60, quand on a commencé à attraper les plus gros spécimens. Je me rappelle certains de mes amis qui n'arrivaient pas à prendre plus de 6 livres de barbeau à cette époque. Ensuite, à partir du milieu des années 70, jusqu'au début des années 80, il y a eu un véritable boom dans cette rivière Severn. On prenait du barbeau dans tous les coins, en battant tous les jours des records. 100 livres, 120 livres, jusqu'à 200 livres dans la journée. En concours, je crois que le record de 100 livres, qui est toujours détenu par Lace Taylor, oui, date de cette grande période. Cependant, après 82, les prises ont commencé à diminuer. Le barbeau s'est alors déplacé vers le sud de la rivière, aux alentours de la ville de Worcester, là où passe justement la rivière Thème qui nous intéresse aujourd'hui. Peu à peu, le poisson y a proliféré et aujourd'hui encore, les plus gros barbeaux du cours inférieur de la Severn remontent s'y assembler pour frayer. L'espèce a remonté le cours de la rivière Thème. À l'heure actuelle et dans cet endroit, on prend surtout des poissons de taille moyenne. Plus en amont, les barbeaux sont moins nombreux, mais en toute logique, ils sont aussi plus gros. On trouve également ce poisson à moustache dans les affluents de la rivière. Ce qui fait qu'on peut dire aujourd'hui que tout le bassin de la Severn est habité par cette remarquable espèce, et ce qui me fait bien plaisir personnellement. Mais assez bavardé, on va lancer un hameçon dans l'eau et s'expliquer directement avec le barbeau. Alors voilà, maintenant voyons ce que mange le barbeau et ce que j'utilise comme amorce. Il y a ici bien des parfums et des saveurs, on en parlera plus tard. On va d'abord commencer par envoyer l'amorce sur le cou. Je ne pêche pas encore pour l'instant. Je me contente simplement de lancer dans l'eau du chènevis, des castors et de la charcuterie, un genre de saucisse hachée et agglomérée. Comme ça, le poisson vient tranquillement sur le cou et se met en confiance. Si j'envoie la ligne tout de suite, ça risque de mal se passer. Je prendrai peut-être un barbeau ou même un chevesne, mais quand le poisson vient d'arriver sur le cou, il est d'abord très méfiant. Ce qui arrive, c'est qu'on en prend un seul et qu'après, on peut aussi bien emballer. On entend beaucoup de pêcheurs qui s'étonnent. Je suis arrivé sur le coup, j'en ai pris un tout de suite, un bon, et puis plus rien dans la journée. Et c'est justement ça le plus important, la préparation. Envoyer de l'amorce, donner confiance au poisson et ne pas pêcher tout de suite. Vous voyez, du chènevis, des castors et de la charcuterie. C'est aussi avec ça que je vais pêcher aujourd'hui. Je crois bien qu'aujourd'hui, avec le petit coup de froid de cette nuit et ce courant qui est encore très lent, ce sont les castors qui vont donner le mieux. Mais je vais essayer aussi la charcuterie en petits morceaux. Il y a des gens qui croient que quand on pêche à la viande, il faut toujours piquer de gros morceaux. Mais on peut utiliser de très petits morceaux si on veut. Quand il fait froid et que c'est peu profond et clair, il faut des petits morceaux. Bon, maintenant, on va leur envoyer cette amorce et on va voir si ça les intéresse. C'est pas difficile, mais c'est important aussi. Il faut surtout bien éparpiller le chènevis sur tout le coup. Il y a des pêcheurs qui vous disent « il vaut mieux amorcer sur un seul point ». En fait, ce qui se passe, si tous les barbeaux tournent au même endroit, on risque surtout d'avoir beaucoup de touches sur la ligne, mais rien que des touches. Bon, j'envoie d'abord un bon paquet à la main pour commencer. Il y a beaucoup de courant sur le bord. Alors maintenant, ce que je fais, je prends le lance-pierre pour lancer plus loin. Je vais bien arroser tout le coup avec l'amorce. Vous voyez, sur ce côté-là, il y a deux vieilles branches. C'est le courant qui les a apportées, sans doute. Il y a bien 2 ans qu'elles sont là. Je vais envoyer de l'amorce de ce côté, du chènevis bien frais. C'est impossible à la main. Alors, je vais essayer au lance-pierre. C'est bon.
En fait, je crois qu'on n'amorce jamais trop. Au cours des deux dernières saisons, sur cette rivière et sur la Severn, j'ai pris pas mal de barbeaux de 8 livres, et même un de 11 livres. Un de mes copains à côté de moi en a pris un de 5,8 kg. On a l'habitude d'amorcer avec plus de 4 livres d'amorce sur le coup dans la journée. Je sais que la plupart des pêcheurs n'oseraient pas en envoyer autant. Mais je peux vous dire que 4 ou 5 livres de chènevis et de castère, ce n'est pas énorme pour un banc de poissons, pour une douzaine ou une vingtaine de barbeaux. Ils avalent ça facilement, très facilement même, en un rien de temps. Et s'il n'y en a que 2 ou 3, comme les gros de la Severn, ou les barbeaux qu'on trouve ici en aval, 2 ou 3 seulement, c'est assez pour tout nettoyer. Vous voyez tout ce que j'en vois? Eh bien, quelques poissons seulement peuvent en venir à bout. On va donc envoyer l'amorce, comme je l'ai dit, et on va laisser le poste tranquille pour que le poisson prenne confiance. Je vais encore envoyer 2 ou 3 giclées par là. Ce que je vais faire, c'est que je vais expédier aussi quelques volets dans ces eaux calmes par là. Je suis sûr qu'il y a du poisson dans ce calme. Comme d'ailleurs dans cet autre coin, un peu plus bas. Vous voyez, les canards s'intéressent aussi à l'amorce. Eux, ce n'est pas pour le chènevis, mais surtout pour la charcuterie. Bon, il faut que j'arrête un moment pour m'en débarrasser. Il y a une dizaine de canards qui sont venus spécialement pour me piquer ce que j'en vois. Je vais donc attendre que tout se calme. Ici, c'est un coup idéal pour le barbeau, mais il faut reconnaître que ce n'est pas le seul. Il y a d'autres types de coups à barbeau, entre autres, sur cette rivière. Je vous propose une petite promenade en aval pour les découvrir, ok? Vous voyez, sur ces 200 mètres à peine, on trouve à peu près tous les coups à barbeaux possibles. Si on jette un coup d'œil plus haut sur la rivière, il y a juste où se trouve ce pêcheur un coup superbe. Et à vrai dire, juste ici à cet endroit, dans la zone peu profonde où on peut voir le fond, il y a du barbeau. Et un peu plus bas là, on ne voit pas le fond, il y a aussi du barbeau. Ce vieux pêcheur le sait très bien. Il ne bouge pas d'ici. C'est un très bon coup, parce qu'il y a des arbres et une pente très douce sur la rive opposée. Ah, il a une touche. On dirait que c'est fait exprès. On parle de lui et il a une touche. Ça, c'est sans doute un petit chevesne. J'en sais trop rien, mais il tire bien sur le fil. Ah oui, oui, il tire drôlement. Et là, il remonte le courant. Ah, c'est un barbeau. C'est un barbeau, c'est certain. Oui, oui, voyez la nageoire. Ce qu'il y a de bien avec le barbeau, c'est qu'il montre toujours qui il est. Il dresse sa nageoire, comme ça. On le reconnaît tout de suite. Celui-là n'est pas très gros.
Mais il se bat bien. Et il le ramène, mais le poisson tire drôlement sur le fil. Ça y est, dans l'épuisette. Ah oui. C'est un beau poisson. Ça fait une belle pêche. Et c'est pour ça que les gens viennent ici. Pour des poissons comme ça. Voilà. Il a fait sa pêche. En tout cas, comme je disais, c'est un coup idéal. Et on ne pouvait pas en avoir meilleure preuve que la prise de ce bon vieux pêcheur. Bon. Il n'y a pas beaucoup de fond. Quand on regarde, c'est vraiment très peu profond. Au grand maximum, je dirais qu'il y a une vingtaine de centimètres. En fait, il y a beaucoup moins d'eau que d'habitude. Mais même quand c'est sec comme ça, le barbeau sort des trous pendant la nuit. Et il vient fouiller jusque-là, sur ce fond, dans les galets. Regardez bien ces pierres et ces roches. Il y a beaucoup de choses à manger. Le poisson vient là. Et il va trouver tout ce qu'il aime. En fait, quand vous observez ces eaux claires, si vous suivez la rivière en sachant ce que vous cherchez, vous trouverez des radiers avec des endroits pierreux qui sont complètement nettoyés. Sur les pierres, il y a des algues. Et croyez-le ou non, les petites pierres, les barbeaux les prennent dans la bouche. Ils les sucent pour avaler les algues, les insectes et toutes les bestioles qu'il y a dessus. Ce n'est pas un bon endroit pour pêcher en ce moment. Mais si on pouvait pêcher la nuit, on prendrait pas mal de poissons ici. Il ne faut quand même pas rejeter un coup comme celui-ci. À une autre période de l'année, quand il y a un peu plus d'eau, surtout le soir, alors oui, il y aura pas mal de barbeaux ici. Et après les hauts fonds, vous voyez ce rocher qui surplombe là, juste en dessous. Il y a un coin très profond, exactement sous les arbres. Les barbeaux se tiennent sous ces arbres, dans cette eau calme là. Et quand on amorce avec le chenevis et les castères, on peut voir leurs reflets dorés. Là, c'est un très bon coin. Il faut amorcer avec précision, juste sous les arbres, avec un amorçoir. Ou simplement, avec une ligne de fond, on lance juste sous ces arbres. Et là, je suis sûr que dans ce coin, on prend 20, 30 ou même 50 livres de barbeaux. Et il ne faut pas oublier, quand il y a un long pool d'eau profonde comme ça, il peut y avoir là 50, 60, 70, 80 livres de barbeaux, ou même davantage. Mais des moyens. Si vous voulez prendre un gros barbeau, il vaut souvent mieux choisir un petit coin où il y aurait beaucoup moins de poissons, vous comprenez ? Dans un petit coin, il peut y avoir 5 poissons de 4 ou 5 livres, ou même un seul très gros. Il en aura fait son repère. Ils font souvent ça à l'abri des arbres. Et jusqu'à ce qu'on les prenne, ils se tiennent là pendant très longtemps. Donc, si vous visez un gros, croyez-moi, il vaut mieux choisir un petit coup de peut-être 80 ou 1 mètre de profondeur. C'est souvent là qu'ils se cachent. Bon, je vais emporter cette boîte, comme le type qui l'a achetée aurait dû le faire. Je la jetterai chez moi à la poubelle. Comme ça, il n'y aura pas de danger pour les animaux. Maintenant, on va pêcher. Alors, il faut être à l'aise. Avec une chaise,
qui s'adapte à la berge. Ah, c'est indispensable à mon avis. Elle s'adapte à toutes les pentes. Maintenant, je vais sortir mon support de canne. Il en faut deux. Un support pour devant et un autre support pour la poignée. C'est un des problèmes sur cette rivière. C'est très rocheux. Il faut bien l'enfoncer. Un bon départ de barbeau, ça peut tout simplement vous arracher un support de canne. Je place celui-là ici. C'est bon. Voilà. Ah. Ça, c'est très très utile. Maintenant, je monte à l'avance les lignes sur les cannes. Comme ça, je peux pêcher tout de suite en arrivant sur le coup. Je vais commencer en utilisant la morsoire. Je vais poser ça là pour l'instant. Vous remarquez que sur le bout, j'ai placé un morceau de tuyau. C'est pour protéger la canne des branches d'arbres quand on marche sur la rive. Je vais mettre ça là, je pose la canne. J'ai appris ça il y a des années et je l'ai toujours fait depuis. Avant de commencer, il faut toujours mettre l'épuisette en position. Combien de fois il arrive que des pêcheurs lancent avant d'avoir préparé l'épuisette? Ils accrochent un poisson du premier coup tout de suite et ils cherchent alors à attraper leur épuisette. Et bonjour le poisson. Alors faites ça pour moi, préparez tout de suite votre épuisette. C'est bon. Vous voyez, comme ça, aucun problème. On dégage l'hameçon. Et on en mange simplement. Voilà. On gagne beaucoup de temps. Moi, je peux pêcher tout de suite, pendant que d'autres doivent monter leur ligne. J'utilise ce montage aux cheveux avec un gros hameçon et un petit sur un fil très fin. C'est pour que le barbeau prenne le petit avec lèche et que le gros vienne se planter dans la bouche. Un montage très simple. Le moulinet, c'est un modèle de compétition avec un fil de 18 centièmes. Une canne, bon, celle-ci est une de celles que j'ai bricolées moi-même. Elle est en Kevlar carbone et j'ai simplement adapté un sillon. Pas particulièrement long, mais très souple. Il ne sert pas à détecter les touches. Ce que je veux, quand j'ai des touches sur la ligne, c'est qu'il n'y ait pas de secousse sur la ligne elle-même, comme ça se produirait avec un sillon très raide. Je veux qu'il plie dès que des poissons touchent la ligne, pour qu'ils ne la sentent pas. Ce n'est pas une question de détection de touches. En général, un barbeau tire puissamment sur la ligne et il n'y a pas de problème de détection. On a donc ici une empile de 18 centièmes, la morsoire, une perle, l'émerillon et ensuite un fil de 30 centièmes. Il faut qu'il soit très raide pour éviter les emmêlements avec l'empile. Ici, il a environ 45 cm de long. Et voilà le montage. On peut aussi utiliser des montages plus complexes et des meilleurs. Pour éviter les perruques, les pêcheurs de compétition anglais utilisent le système Look, très performant. Mais pour un gros poisson, je préfère qu'il y ait peu de nœuds sur la ligne. Avec ce montage, je n'ai que 4 ou 5 nœuds. Quand on cherche des poissons qui peuvent atteindre 11, 12, 13 ou pourquoi pas 14 livres, ici ou ailleurs, il faut se méfier des points faibles. Et les nœuds sont toujours des points faibles, donc le moins de nœuds possible. Bon, je vais piquer deux casters. Je pêche au caster parce que, je l'ai dit, il a fait froid cette nuit et les petites éches seront meilleures. Il vaut mieux une petite éche, je vais essayer un seul caster, qu'un morceau de charcuterie. J'aime bien la viande, mais je vais d'abord essayer ça. Ensuite, je tenterai peut-être la charcuterie, dans la mesure où ça se réchauffera. Le soleil se décide à sortir. Dans peu de temps, ça va commencer à se réchauffer. L'eau va se réchauffer peu à peu sur les radiers. Si le soleil donne bien sur les pierres, c'est bon. Je vais envoyer le chaîne-vie un peu en amont.
Je vais donc lancer par là. Voilà, ça y est. Bien. Assez près du bord. C'est là qu'est le poisson, sur le fond. Voilà, je suis bien tranquille. Et c'est parti. On va voir si on peut en décider un. Vous voyez là, les secousses. Ça, c'est des petits poissons. Des coups sur la ligne ou sur l'èche. Difficile à dire. Il y a des tressaillements sans arrêt. Ils veulent goûter à mes castors. Peut-être des chevennes. Peut-être même des verrons. Ça peut être n'importe quoi. Mais si un barbeau s'amène, il va y avoir un beau remue-ménage. Quand on a de la friture comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf poser la ligne assez profond. Comme ça, il arrive qu'on tente un barbeau, et quand le barbeau arrive, le fretin se disperse. C'est le meilleur moyen. Aujourd'hui, avec cette eau claire, c'est difficile. Apparemment, il y a quelque chose dessus. C'est pas impossible qu'un verron se soit accroché. Ah, c'est un problème à cette époque. Non. C'est comme ça pendant les mois d'été et d'automne. Le menu fretin dans les petites rivières. Et puis, tout à coup, un barbeau arrive. Et alors, il n'y a plus personne. Je vais essayer avec deux castors cette fois. Mais je continue à amorcer. Voilà. Régulièrement, comme ça. Il doit y avoir du poisson sur le coup. Peut-être même du barbeau. Juste au bon endroit. Maintenant, il ne faut plus lancer partout sur l'ensemble du coup. Lancer plusieurs fois de suite, à peu près au même endroit. Si vous décidez de changer, alors changez pour un autre endroit. Mais ne lancez pas dans tous les coins. Ah, il y a des tressaillements. C'est bien, il y a une sorte de progression avec le chenvi. D'abord la friture, ensuite le chevenne, et enfin le barbeau. Là, ça tire pas mal. Ah oui, un petit poisson, on dirait. Le voilà parti à contre-courant. Oh, sans doute un gardon. Pas un barbeau, le départ n'est pas assez puissant. En tout cas, il tire bien. Ah, c'est un chevenne. Un beau petit. Vous voyez ça? Et il est là. Quand on pêche le barbeau, on attrape aussi d'autres poissons. Et l'un des plus gloutons de toute la rivière, c'est ce bon vieux chevenne. Et voilà, joli petit, beau poisson. En hiver, je serais content d'en prendre un comme ça, quand je pêcherai le chevenne. Il se décroche facilement. Ah, vous voyez cette marque? On dirait qu'il a été mordu par un brochet. Vous voyez ça? Vous voyez? Et la nageoire est fendue. Et de l'autre côté, vous voyez des marques légères aussi sur l'autre flanc. Un gros, un très gros brochet l'a trouvé appétissant. Et il y en a de beaux des brochets ici actuellement. Jusqu'à 15 ou 16 livres couramment. Un joli petit chevenne. Je le remets dans l'eau. Il faut attendre qu'il soit bien mis du choc. Allez, et il s'en va. Puisque ce n'est pas une compétition, je n'utilise pas de bourriche. En fait, il n'y en a pas besoin, sauf en concours, bien sûr, pour le barbeau et pour le chevenne. Pour tous les poissons, d'ailleurs. Il n'est pas nécessaire de les retenir. Je ne vais pas les peser à la fin de la journée, alors on lance à nouveau. Ça commence de manière très classique. On prend d'abord un chevenne ou quelque chose, un gardon, un verron.
On va voir si on trouve un peu mieux. Ah, je vais amorcer. Ah, c'est coincé. Ah. C'est bon. Ça a bon goût, vous savez. Ça va. Ah, le fil s'est enroulé sur le sillon quand j'ai remonté le poisson. Voilà. Voilà. Je vais lancer à nouveau, au même endroit. Hop, touché. Bravo, juste au bon endroit. Je pose ça. Voilà. Alors, pour amorcer. Ah, je crois que j'ai tiré un peu court. Oh, c'est mieux. Voilà. Je continue à lancer des casters et de la charcuterie. J'essaierai la viande pour pêcher tout à l'heure. En fait, avec le chevesne, si vous regardez la bouche d'un gros chevesne d'une livre ou d'une livre et demie, il est capable d'avaler de très gros morceaux de charcuterie. Avec un peu de chance et en continuant à amorcer, le barbeau va venir et le reste disparaîtra. Ici, sur cette rivière, le chevesne moyen fait une demi-livre à une livre, alors que le barbeau moyen fait ses deux livres, même trois. Et avec ce chenvis, ou avec un peu de chance, on va voir arriver ce barbeau. Et on pourra peut-être le prendre. Bon, je vais remonter. Il ne faut pas rester assis trop longtemps. Il faut rajouter du chenvis et des casters pour les intéresser. Et vérifier qu'il y a bien toujours des casters sur l'hameçon. Dans le feu de l'action, il arrive qu'on envoie l'hameçon sans aige dessus. C'est bon. Je tire un peu pour voir s'il n'y a pas de perruque. Au même endroit. Oui, tout en douceur, très bien. Au bon endroit, attention à la descente de l'hameçon. Voilà. Ouf, ça y est. Ah, oui, c'est un barbeau. Ça n'a rien à voir du tout avec le chevesne, hein. C'est pas un bien gros poisson, mais je crois... Oui, c'est un barbeau. Ah, le voilà parti. Ah, j'y crois pas. Ah, c'était bien un barbeau. Il s'est décroché. En tout cas, ils sont là. C'est vrai qu'il n'y a pas de quoi crier victoire, un barbeau qui se décroche pour commencer. Mais la vie, c'est comme ça. Je ne crois pas qu'il était très gros. Bah, ça aurait été quand même le premier barbeau. Ah, c'est pas bien de me faire ça, de me laisser en plan. Mais encore deux casters. Un peu de chenvis. Je suis le même rituel. Il y a des poissons. Il n'était pas gros et d'habitude, les poissons de cette taille ne sortent jamais seuls. Il faut donc s'obstiner. Au même endroit, à nouveau avec des casters. Voilà, on va voir s'il y en a un d'assez bête pour se faire prendre comme son copain. Au moins, on sait qu'il y a du barbeau, et ça, c'est bon. Je reste assez tranquille, j'attends la grosse touche. Tiens, voilà des vaches maintenant qui viennent boire. C'est pas leur endroit habituel, mais ici aussi, elles peuvent descendre.
Ah, belle scène bucolique. À propos ici, sur cette rivière, ce qui est beau, c'est aussi la richesse du décor, la faune. C'est un endroit merveilleux, vraiment préservé. Mais il nous faudrait aussi quelques petits barbeaux. Allez, un effort, mes petits. Mettez-y du vôtre, soyez pas égoïstes. Je vais tirer un petit peu parfois. En bougeant un peu l'èche, on a une belle surprise. Oh, comme celle-là. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est un barbeau. Le voilà qui vient sur moi. Ouf. Il déboule à toute vitesse. Regardez ça. Il me fonce dessus, il monte le courant. Il vient de ce côté. Mais il me fonce juste dessus. Oui, oui, oui. On reconnaît facilement un barbeau. C'est pas un gros, un petit même. Mais c'est un barbeau. Allez, viens, mon vieux. Ouh. Il est dans les herbes. Et je vous présente Monsieur le Barbeau, le premier de la journée. Beau poisson. Mais c'est un petit. Ça fait rien. Il est quand même beau. Je le décroche. Je fais attention. Voilà. Un poisson superbe. Vous voyez les marques, là? C'est peut-être des blessures dues à une bourriche. C'est pour ça que je n'utilise pas de bourriche. Les quatre barbillons. Vous voyez, deux ici. Deux devant. Les lèvres épaisses. C'est comme ça qu'il mord. Il baisse la tête, il pose les lèvres sur la patte et il aspire. Il avale l'hameçon. Belle nageoire. Et ses couleurs, regardez. En ce moment, dans cette rivière, les barbeaux ont des couleurs particulièrement belles. Je le remets à l'eau. Je le dirige contre le courant. Vraiment de belles couleurs. Hein. Allez. Bonne route. Il est parti. Beau poisson. Allez, on va lancer. On commence assez modeste, mais c'est un barbeau. Tout aussi barbeau qu'un de 10 livres. Allez, on va recommencer. Les casters. Je lance encore une fois avec les casters. Et puis, j'ai de la belle charcuterie. Ça peut être bon maintenant. Il arrive qu'on prenne un gros avec un gros appât, mais pas toujours. Dans des conditions comme celle-là, le tout, c'est d'avoir des touches. C'est le problème. Je lance au même endroit, vous voyez. C'est bon, on recommence. Il faut toujours amorcer, bien sûr. Hein. Amorcer sans arrêt. S'il y a là-dessous beaucoup de ces petits barbeaux, ils sont capables de nettoyer une grosse quantité d'amorce sans problème. Je continue donc à amorcer. Il est possible qu'un gros vienne voir et qu'il s'intéresse à notre hêche. Le tout dans un jour comme aujourd'hui, pas facile, c'est de réussir à avoir des touches, à intéresser le poisson. Et alors, tout devient possible. Je crois qu'on est parti pour avoir des touches. Je suis presque sûr qu'il y a du barbeau ici. Il faut continuer à amorcer. C'est très important de continuer à amorcer. On a déjà pris un chevesne, on a eu un barbeau. Il y a des poissons là-dessous. Ils ont faim. Et un amorçage régulier permet de les maintenir sur le coup. Ils demeurent sans doute tout le temps dans le coin. Mais si on veut qu'ils prennent lèche, alors il faut donner de l'amorce. On continue. Comme je disais tout à l'heure, on peut parler un peu de l'amorce, des arômes, pendant qu'on attend une touche. J'ai fait frire la charcuterie hachée des deux côtés. C'est plus ferme et plus facile pour la faire tenir sur l'hameçon.
Et ensuite, je l'ai simplement placé dans un sac plastique. J'ai rajouté les arômes. Il y en a des doux, comme le Scopix. Il y en a d'amers, comme le crabe rouge américain. Je souffle pour le gonfler. Je remue pour que la viande s'imprègne bien. Et c'est bon. C'est parfait comme amorce. Une des... Ah, malheureusement, je l'ai manqué. Non, non, il cherche à s'abriter. Sûrement pas un barbeau. Il remonte le courant. Il vient droit. Eh non, c'est pas un barbeau. Pas un chevesne non plus, je crois. Et si, 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 c'est un chevesne. Vous le voyez dans l'eau claire? C'est un chevesne. Ah, décidément, les chevesnes m'adorent. Les barbeaux, eux, boudent mes appâts. C'est pour ça que je vais essayer la charcuterie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, à propos des arômes, l'un des grands avantages de ces arômes, ce n'est pas le cas avec une eau comme ça, elle est beaucoup trop claire. Mais quand il y a du courant et beaucoup plus d'eau, alors elle est plus colorée. Et le poisson sent bien mieux les arômes. Voilà. Le crabe rouge, c'est un arôme absolument fantastique. À d'autres périodes de l'année, quand la rivière est un peu moins haute et surtout moins claire, le barbeau raffole de cette odeur de crabe rouge et aussi de celle de la moule et du saumon. Des arômes merveilleux. Et voilà, encore un chevesne. Pas un gros poisson, mais quand même, il est beau. Un peu plus gros que la moyenne. Ah, c'est tout de même fantastique ici. À 10 km d'une grande ville, ce coin sauvage, ces poissons fantastiques. Et voilà. Et il s'en va. Ou elle, peut-être. Il est parti. Reviens me voir quand tu auras grandi. Et voilà. Bon. Maintenant, passons à la charcuterie. Parce que j'ai eu un petit barbeau et qu'il y en a d'autres ici. Je ne veux pas continuer comme ça avec des chevesnes. C'est bizarre à dire parce que d'ici un mois, je serai très content avec des poissons comme ça. Enfin, je prends une autre canne et je tente ma chance à la viande. Alors, c'est un montage intéressant, parce qu'il est presque comme un bad ligne pour la carpe, avec une forte plombée. Alors, j'emmanche la canne. Et voilà. C'est une canne assez puissante. Et le sillon n'est pas bricolé cette fois. Le montage est très simple. Il s'agit presque d'une ligne à carpe ordinaire. Mais elle m'a donné de très bons résultats sur cette rivière et sur d'autres depuis 2 ans. Une plombée de 40 grammes. En fait, je pourrais mettre moins, mais ça améliore la descente. La plombée coulissante avec une perle pour éviter qu'elle ne se prenne sur les maillons. Et ensuite, il y a une longueur de soie tressée, le bad ligne, un hameçon de 6 sur un cheveu de 4 ou 5 cm. Et c'est tout. C'est très simple. Il ne reste plus qu'à piquer là-dessus un morceau de charcuterie. Il me faut le matériel. C'est bon. Voilà ma trousse de chirurgien. Je coupe. Voilà. Je coupe un morceau de viande, de charcuterie grillée. Voilà. Et c'est bon.
Il faut le passer dans la viande, au milieu, dans une boucle du fil. Comme ça. On tire le fil, comme ça. Et puis, ça, c'est un petit truc que j'ai piqué à un bon copain. C'est un spaghetti. Un spaghetti cru. J'en casse un petit morceau. Je le passe dans la boucle du cheveu. Et comme ça, il sert à bloquer le cheveu. Et voilà. Un bon morceau de viande. J'espère qu'il va séduire un gros poisson. Je pêche au même endroit. Je sais où se trouve le poisson et il faut persister au même endroit. Voilà. C'est bon, juste où je voulais. Je ne pouvais pas faire mieux, c'est parfait. On va regarder ce que j'ai ici. On va jeter un coup d'œil. Il y a tout ce dont j'ai besoin. Je ne vais pas pêcher au flotteur aujourd'hui. Ce n'est pas un coup pour flotteur. Mais j'ai tout, une aiguille à locher, aiguille à bouillette, d'autres aiguilles, des ciseaux, un autre dégorgeoir, du ruban synthétique soluble dans l'eau. Je m'en sers pour faire des chapelets de morceaux de viande. Dans un endroit où l'espace manque, et quand je veux que mes amorces, les morceaux de viande, se déposent à proximité de l'hameçon, j'enfile simplement les morceaux dessus et le ruban se dissout. D'autres ciseaux, une lime pour affûter les hameçons, pour les aviver. Sur une rivière comme celle-là où il y a beaucoup de pierres, il faut affûter en permanence. Une autre paire de ciseaux. Vous voyez, c'est très complet. Je la garde là, bien au chaud, à ma portée. J'ai tout sous la main, là. Bon, on va attendre une autre touche. Si ça vous ennuie, excusez-moi. J'amorce à nouveau. Voilà. S'il y a beaucoup de chevesnes sur le coup, ce qui est probable, ils se précipitent dessus. Mais moi, aujourd'hui, je suis là pour le barbeau et il y en a, je suis sûr. Mais étant donné la clarté de l'eau, je ne sais pas si les gros barbeaux vont se risquer sur le chêne-vie. Le soleil prend de la hauteur et pénètre dans l'eau jusqu'au fond. Et bien que ça fasse peur aux barbeaux, on peut très bien en prendre de une, de deux ou même de trois livres. Ils sont voraces quand ils sont petits et ils engamment facilement les appâts, alors que les gros se méfient. On a sans doute encore une chance, mais les conditions ne sont pas bonnes pour le gros barbeau. En tout cas, moi, en ce moment, je me contenterai d'un barbeau de n'importe quelle taille. Bon, on reste assis. Et on attend. On va voir ce que donne cette hêche. Il ne devrait pas y avoir tant de secousses, bien qu'elle ne soit pas très forte. Même les verrons et toutes sortes de poissons viennent heurter l'hêche. En général, c'est plus calme, mais ça donne de plus gros poissons. Oup, 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 ça y est, ça y est, ça y est. C'est ce vieux Barbus Barbus. On le distingue tout de suite du gros chevesne, ce cher Barbus Barbus. Ah, ce n'est pas un poisson particulièrement rusé, mais... Ça y est. Il vient. Dès qu'il va me voir, dans cette sacrée eau claire, il va sauter. Et il a des algues sur le dos. Il va dans les herbes. S'y est enfoui. Ah, vous le voyez? Oui. Superbe, oui. C'est pour lui que je suis venu. Un beau barbeau. Quel beau poisson. Pendant longtemps, j'ai préféré les carpes. Mais quand on voit ça... Regardez ça. Les gens renaclent à cause des algues. Et c'est vrai qu'il serait plus drôle à combattre s'il n'allait pas dans les herbes. Mais à cette période de l'année, il est bien dans les herbes. Et il arrête alors de se battre. Il va juste y enfouir sa tête. Et voilà. Vous voyez comme il est beau ? Ah, vraiment parfait. Oh, une beauté. Oh.
Doucement, mon petit gars. Des nageoires très pures. Vraiment belles. Splendide. Je vais le remettre. Right. Put him in. Face him. Up against the flow. Face au courant. Il y a très peu de courant ici. Il ne faut pas le mettre dans l'eau sale quand on le dépose dans la rivière. Et il s'en va. Il attend d'avoir repris toutes ses forces. Il attend d'être remis. Parfois, avec des gros barbeaux, j'ai attendu 20 minutes avant qu'ils s'en aillent. Il faut être certain que le poisson a repris ses forces avant de l'abandonner. Sinon, dans ces conditions, avec peu d'eau et peu d'oxygène, il peut lui arriver malheur. Quand il s'en va de lui-même, alors ça va. Vous voyez, bon. On va mettre une autre hêche. Encore de la charcuterie. Et lancer à nouveau. Regardez ça, toutes ces herbes. Cette rivière est riche. Les poissons trouvent beaucoup de nourriture et bien sûr, ils pensent que ma charcuterie fait partie de la chaîne alimentaire. Il faut enlever les algues. J'envoie un autre morceau de viande et j'attends. Mais avant de lancer une autre hêche, on va jeter un coup d'œil rapide aux autres montages. Quand on acquiert un peu d'expérience avec le barbeau, chacun met au point ses petits trucs. Aujourd'hui, j'ai amorcé au chêne vie. Si j'avais pêché avec cet appât, je l'aurais placé comme ça sur le brin. C'est exactement le même que tout à l'heure, mais j'ai mis du chêne vie dessus. Il a séché. En fait, il faut mettre le chêne vie juste avant de pêcher. Là, je l'ai fait d'avance pour vous montrer, mais ça a séché. En tout cas, cette hêche attire beaucoup de poissons. Je vais vous montrer encore deux lignes. En voici une qui est de plus en plus utilisée par les pêcheurs, en particulier sur cette rivière. Là, c'est séché à deux bouillettes sur une baïonnette Drennan. Si on retire les bouillettes, voici la baïonnette. Une idée géniale, dont l'auteur est Peter Drennan. Et celle-ci a une seule bouillette. Elle est excellente pour le barbeau. Il y a des matériaux différents, à trois brins, multibrins. Il existe toutes sortes de matériaux. Le dacron, je n'utilise pas beaucoup le dacron. Je préfère la soie tressée. Mais pour l'instant, je vais revenir à la ligne de ma canne pour essayer d'en prendre un autre. Donc, un autre morceau de cette viande que j'ai fait frire sur les deux côtés. Mais vous voyez, j'ai conservé le morceau entier. Comme ça, quand on le coupe, tout l'arôme de la viande est encore intact. Il ne faut pas le couper avant de le faire frire, car les morceaux seraient enrobés et on perdrait alors toute la saveur. Alors, on recommence. On s'assoit. Le dégorgeoir ici. Ah, c'est bon. Il y en a qui disent que c'est trop compliqué avec ce cheveu. Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. En fait, il suffit de le passer, de passer la boucle, de tirer comme ça. Le petit bout de spaghetti dans la boucle pour caler. On tire et ça y est. Vous trouvez ça difficile? Rien de plus simple. On vise toujours le même endroit. C'est là que les barbeaux apparemment se sont regroupés. Et c'est là qu'il faut pêcher. Hop! Vous avez vu ça? Juste dans le mille. C'est bon.
Je vais envoyer quelques morceaux de viande avec la... avec le lance-pierre. J'ai envoyé le premier en plein sur la rive, à 2 mètres du bord. Et le second, dans les cailloux. 1 sur 3. J'ai essayé de faire mieux. Là, ça va. Heureusement qu'il n'y a pas de vaches sur le bord. Ça leur aurait fait peur. Oui. Et j'en attends un autre. Hop, un autre barbeau. Merveilleux barbeau. C'est un petit celui-là. On dirait qu'ils ont formé un banc. Et je suis tombé sur le coin des petits. Mais je peux vous dire une chose. Il vient vers moi. Vous voyez ça? Je peux vous dire une chose. Je ne vais pas capituler. Il y a des poissons plus gros sur le coup, c'est sûr. Oh, attention. Il vient. Oh, oh. Ah oui, j'aime bien cette rivière. De beaux poissons dans un paysage superbe. Ah, il m'est arrivé de prendre de gros barbeaux dans des coins affreux. Mais pour tout vous dire, j'y ai pris moins de plaisir que pour ces barbeaux-ci, sur cette rivière. Passer une belle journée dans une vallée comme celle-ci, attraper de beaux poissons comme ça, on ne peut pas rêver mieux. Hein. Je le remets. Et voilà. Ouf. Celui-ci est plein de vie. C'est parfait, ça marche. Okey-dokey. Une autre hêche. Bien qu'il n'y ait que des petits poissons pour le moment. Ou du moins que je n'en prenne que des petits. C'est un endroit où il y a souvent du gros. Souvent. Même en cette saison. Et je ne vais pas abandonner. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais rester là et je vais essayer d'en prendre encore un. Un gros. Chaque lancé peut être le bon, on ne sait jamais. Il n'y a pas de problème, j'ai tout mon temps devant moi. Dans un coin comme ça, la pêche n'est vraiment rien de pénible. Tout pour le plaisir, au contraire. Peu importe si c'est seulement la nuit qui me chasse. Avant qu'elle tombe, j'espère bien voir un autre de ces superbes barbeaux.